l'ange numéro 3, cite à elle, régit du 31 mars au 4 avril. Il est l'ange de la construction. Il nous aide à nous structurer, à construire en nous des valeurs solides pour matérialiser tout projet avec une stabilité à toute épreuve. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Construction, maître bâtisseur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Haute science, confère le pouvoir d'expansion, la capacité de tout faire fructifier. Planificateur, grand stratège, doué d'un sens pratique. Administrateur, honnête et intègre. Soutien qui permet de vaincre toute difficulté, toute adversité. Capacité de concevoir un enfant, un projet. Aide à prendre conscience de nos erreurs et à transformer nos karmas. Noblesse, magnanimité, générosité, clémence. Fidèle à la parole donnée. Pacificateur. Emploi avec d'importantes responsabilités. Architecte et ingénieur au service du divin. Don pour négocier. Enthousiasme. Notoriété sociale et politique. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Destruction. Écroulement des structures. Période défavorable. Ruine. Avidité. Excès. Stratégie démoniaque. Erreur de préparation, de planification et d'appréciation. Difficulté à concevoir un enfant, un projet.
agressivité, ingratitude, vantardise, hypocrisie, emphase mise sur la façade, manque d'authenticité. Personne qui ne tient pas ses promesses ou qui n'est pas fidèle à sa parole. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Architecture, architecte. Conspiration. Do. Efficacité. Lombaire. Main. Os. Préparation. Sur tous les plans. Vertèbre. Douce pensée angélique.